Putain, mais fuck ma vie! Que vous vengez! Bonjour à tous et à toutes, c'est Mister H. Crouge. Nous nous retrouvons pour le 9e épisode de notre aventure sur Final Fantasy Tactics Advance, excusez-moi. Alors, dans le dernier épisode, en fait, eh bien, on avait pas beaucoup avancé dans le scénario. On allait dans une sorte de champ où il y avait des pluies d'étoiles, c'était génial. Et puis, en fait, surtout, il s'est passé quelque chose, c'est que j'avais oublié de sauvegarder durant les 3 épisodes. Donc, du coup, j'ai dû tout me retaper depuis le combat contre Panfred jusqu'à maintenant. Et, il y a des changements au niveau d'XP, au niveau des compétences aussi. Et en fait, surtout que lui, il est un peu plus avancé parce que j'ai pu l'équiper à temps, en fait. Et puis, donc je suis désolé pour la gêne occasionnée, hein, même si je pense que ça change pas grand-chose. On est tous à peu près niveau 8, à peu près. J'ai fait une mission d'XP en vitesse, c'est pas mal du tout. Et puis surtout, la différence, c'est que elle a pu apprendre, en fait, elle avait un truc de plus, donc du coup, elle a pu apprendre des simulations. Ouais, et là, baisse toxico, il me semble, ça, c'est pas mal du tout. Donc, voilà. Et on va y aller. Mission suivante, toi. Donc là, je tourne plusieurs épisodes à la suite. Puis ça, vraiment, c'est un jeu que je commence à... Bon, au début, c'est un peu long, mais au fur et à mesure qu'on fait des combats, ça devient de plus en plus intéressant. De toute façon, Tactical RPG, c'est un de mes genres préférés. Peut-être le, je sais pas, mais c'est un de mes genres préférés en tout cas. Donc, c'est parti. Peut-être, c'est pas très adapté au Aspay, je sais bien, mais bon, moi, j'ai envie de faire cet épisode, donc voilà. Enfin, cet épisode plutôt. Et là, du moins, il se passe quoi? Le volcan de Roda est de nouveau en activité, vous pourriez aller étudier ce phénomène. Ok, donc là, ça pue encore le phénomène Paranormal Activity, et puis, on est un peu dans la merde. Bah, il va y avoir un cristal, enfin, je suis sûr que c'est ça. Donc, du coup... Ah oui, en fait, par rapport aux épisodes d'avant, en fait, la solution, j'étais allé, en fait, juste pour voir les niveaux des combattants, en fait, parce que j'allais dans une solution juste pour un niveau, enfin, ça me permettait d'ajuster XP. Bah, à partir de ce combat, en fait, ça marche plus. Donc, à partir de la mission qui vient, là, il n'y a plus aucune info, donc du coup, je suis un peu d'XP au pif. Je pense que je vais faire une mission d'entraînement, voire deux, ça dépendra d'objet avant de faire chaque combat. Donc, éveil du monde. Ah ouais, ça commence à s'éveiller. Est-ce que quelqu'un me spam sur Skype? Mais désolé, mon ami, je ne peux pas te répondre pour le moment. Ouah, la température est infernale! Température infernale, volcan. Oh oh oh, faut rigoler! Un tremblement de terre, le volcan va exploser! Alors, faille spatio-temporelle. Je prédis la faille spatio-temporelle! Oh, trop fort! Une perturbation? Il doit y avoir un cristal pas loin. Moi, je m'en doutais depuis le début. Alors, je suppose qu'on va retomber sur un gros boss encore. Donc là, deuxième cristal. Des papillons dans un endroit pareil? Oui, tu n'es pas en vie, en fait. Tu es déjà mort, tu es au paradis. Cet endroit ne ressemble pas à l'autre, le cristal aussi est différent. Au fait, le turbo, ça m'a vachement aidé pour aller plus vite dans l'aventure, parce que bon, le tour me retaper, c'est un peu chiant. Puis turbo, j'ai dû faire tout en une demi-heure, 25 minutes, donc c'est pas mal. Je dois priser pour retrouver notre monde. Oh putain, lui, il va bousiller le monde, putain, il va se mettre tous les échos dans le dos. Bizarre, ce cristal n'est pas protégé par une divinité? Quoi? Oh mon dieu, un feu-follet. Oh, c'est une divinité, ça? Non, c'est ta bite. Putain, sérieux, je pose des questions que ça rien. Ah ouais, d'accord, là, ouais, et ça fait un peu beaucoup d'ennemis. L'endroit entier est une divinité? Ok, donc là, ça pue le combat qui va être passionnant, là. Oh, un seul ennemi divisé en 8, ça va être génial. Juste, on va voir tout ce que c'est. Cristal Ultima? C'est pas Ultima quand même. Oh putain, on va... Ok. Logos. Ouais, mais je sais pas du tout ce que ça fait. Je reviens souvenir de cet ennemi, donc bon. Je suppose qu'ils ont tous à peu près la même chose. Ouais, ils doivent tous avoir la même chose. En gros, on va se friter à des cristaux niveau 11. Enfin, 9, 10. On a un niveau quoi, on est au niveau minimum. Donc j'ai bien fait de faire cette séance d'XP en fait. Attends, juste Evo, c'est quoi Evo? On verra ça plus tard. Voyons voir. On va mettre mon bord, on va faire tourner comme ça, on sait jamais. Hop. Hop. Alors, on va mettre au corps avec lui. Ah merde, je vais en prendre plus que 3. Oh putain, fais chier. Déjà je prends l'âge blanc, c'est sûr, obligé. Qui n'a pas trop de XP.
Je vais garder The Hitch. Ouais, je vais garder The Hitch pour une fois. J'avais pas gardé la dernière fois. Notre ami Moine, enfin Mage. Et je vais prendre Archer aussi. Voilà. Comme ça. En fait, j'avoue. Donc, mon bord et Douglas. Hop. Bah, désolé, mais je n'ai pas trop de choix. Alors, donc là, ça peut être plus tendu que d'habitude. Enfin, j'espère pas, parce que sinon, on va en chier. Et, on va mettre ça. Voilà. C'est parti. Une position un peu bizarre, mais c'est pas grave. Ok, on en a que 4. Détruire les cibles. Ok. Je sens que la mission va être super passionnante. Enfin, façon de parler, c'est pour dire que ça va être chiant. Ah oui, donc on a Bezo Toxico. Que je n'ai pas équipé. Ouais, donc j'ai l'enculé en fait. Tant pis, hein, c'est pas. On va se focaliser sur un à chaque fois parce que sinon je suis en train de chier des cactus. On va vraiment se focaliser sur un, donc là, bon, ça tombe bien. Je m'en fais pas à ce sujet, enfin, ne vous en faites pas à ce sujet. Il y a vraiment des capacités excellentes. Juste qu'au début, avec sa défense, c'est pas terrible, ça fait un peu comme Paladin. Sauf que Paladin, c'est tout le temps comme ça. Donc, Paladin, c'est pourtant pourri, enfin, là. Je ne sens plus la présence de la divinité. Bah, tu m'étonnes. Et avec des cristaux à péter, c'est fait. Ok. Enfin. Ah, c'est un moment chiant. Fanfrey t'a dit qu'il était lié au mob. Ce cristal appartient peut-être aux saines races, mais à quel. Ces roches ont formé un cercle magique autour du cristal. De la magie? Ce serait une divinité Numu. Oh putain, mais. Y'a que ça? Putain. Qui est là? Que veux-tu? Ah, le boss, s'il te plaît. Oh non! Pourquoi m'oblige-tu de me souvenir de ces choses? Arrête ça tout de suite! Arrête ça tout de suite! C'est mieux? Ma mère n'est pas morte! Elle était là il y a un instant! Ouais! Pourquoi veux-tu détruire mon monde? Va-t'en! Quitte mon royaume immédiatement! Ouais! Bref. Oh putain, c'était chiant comme. C'est chiant ce chapitre, franchement. Oh là, gros coup de gueule! Son royaume, le monde de Mute. Oh là. C'est une éveil et refait de ses désirs. Dans ce royaume, sa mère est vivante et chacun y obéit. Je suis dans le monde rêvé de Mute. Oh putain. Si je brise les cristaux pour retrouver mon monde, je détruirai son royaume imaginaire. Pas étonnant qu'il m'en veuille. Oh oh oh. Ok, donc j'espère qu'il va se passer un truc parce que. Ok. Ok. Ah, notre mage a pris lui. Super. Ok, donc on a pété Ultima, c'était très simple. Bah, c'est ça pour aujourd'hui, hein, écoutez. On va juste changer à cross. Changeons juste à cross. Ah, tiens, faudra que j'essaie la divinité d'ailleurs bientôt. Juste, on va remettre Zuna donc. Ah, putain, il était où Zuna? Cross, voilà. Et voilà, on change d'arc à Arcosis, qui est bien cher au passage. Alors juste on va aller chercher le trésor, cuirasse, hop. Ça aura pas un épisode court, hein. Je suis désolé par rapport aux épisodes d'avant, c'est un peu plus court, mais enfin, bon. Je sais pas trop le choix. Alors bon, il y a que là, donc on veut se laisser voir aujourd'hui, donc, ouais, chapitre vraiment chiant, hein. Faut dire, mais ça nous a fait avancer au niveau du scénario, faut bien le prendre quand même, hein. Y a pas que des points négatifs. Donc on se retrouve pour le prochain épisode très bientôt. Salut à tous. Salut à tous. Ouais, putain. Salut à tous.